Les racines rouges, c'est un arbre, un pommier qui ressemble derrière, il y a trois autres pommiers qui sont le pommier de Poincaré, le pommier de Newton et le pommier d'Adam. Vous voyez, là, la pomme de Poincaré, ici la pomme de Newton, celle qui tombe, et puis la pomme d'Adam qui est déjà croquée dans l'arbre. Et la pomme d'hiver, c'est la pomme qui, tant qu'elle se tombe, elle se retrouve en cerise. Mais là, en fait, je parle surtout de cet arbre qui est un arbre vivant, comme un corps humain, avec des bouts de racines. Surtout, on montre jamais le bout des racines qui sont des éléments qui n'arrêtent pas de se développer. Et en fait, les racines-là sont comme des veines d'un arbre sanguinaire ou de sang, ou un corps vivant.